Et bonjour à tous, on se retrouve sur la deuxième session de Crash Bandicoot de la Vengeance de Cortex sur le speedrun de chaque niveau pour pouvoir obtenir nos reliques. Alors, la semaine dernière, oui, parce que j'ai tourné la semaine dernière, là j'ai pas fait de tournage d'affilée, on avait fait les 13 premières reliques, il nous en manque 12. Et puis, on va commencer sous peu, c'est juste que je redoute très fortement... c'était quoi? Non, c'était pas ce niveau-là, c'était celui-ci. Je le redoute, je sais pas comment je vais faire. Parce que vous voyez ce que je veux dire, j'ai eu un bug. Et puis, il y a aussi, voilà, ce niveau-là. Pareil, il y a eu le même bug. Alors, j'espère que... Normalement, je devrais me calciner ces deux bugs quand même pour ces deux niveaux. Je vois pas pourquoi, parce qu'on est en contre-la-montre, que j'aurais pas ces bugs-là. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer quand je vais faire ces niveaux là, on va voir. Mais sinon pour le reste, profitez et on va commencer dès maintenant.
Bon. Ah bah oui, il vous fait la grimace, mais moi j'ai pas la même tête là. Bon, bah grosse séance de speedrun pour moi, ce que vous venez de voir. Bon, je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé, mais voilà quoi. Alors on a commencé un petit peu doucement, enfin un petit peu du tryhard pour moi. Ce niveau a été quand même assez compliqué. J'ai recommencé, j'ai tryhard. Pour au final faire un score qui est un peu bof, avec une relique bleue. Et honnêtement, je pense pouvoir obtenir la jaune. Bon, voilà, j'ai fait quelques erreurs. Ensuite, on a ce niveau-là que j'ai recommencé quand même un petit peu de temps en temps. Mais une fois que j'ai terminé, voilà, blanc directement. Donc, pourquoi pas. Ensuite, deuxième hub. Enfin, le hub suivant plutôt, le quatrième. Ce niveau-là, alors la version que vous avez vue, c'est la première fois que je faisais le niveau. Et puis, je l'ai réussi. Puis, je me suis dit, bon, bah, ok. On va passer au niveau suivant, tout simplement. Bah, voilà. Donc, j'ai des erreurs par-ci, par-là. Mais bon, bah, c'est parce que c'était le premier coup. Puis, j'ai terminé. Donc, bon. Ensuite, le fameux premier niveau buggé. Voilà, j'ai tryhard, surtout pour la fin qui effectivement, bah, on voit rien, donc c'est très compliqué. Je sais plus combien de temps j'ai passé, j'ai peut-être passé entre 31 heures, je sais vraiment plus, ça fait un moment que j'ai tryhard ça. Mais voilà, au final j'ai eu bleu, pourtant j'étais plutôt rapide à mon sens, mais de là à faire 17 secondes mieux... même sans le bug, je pense pas que j'aurais fait jaune de toute façon, donc pas de regret en fait. Le niveau suivant, alors là, celui-là, pour une fois, pour ce type de niveau-là, il a été vraiment surnoté. Alors, je pense que j'ai pris un peu trop mon temps, enfin, j'ai fait quand même pas mal d'erreurs. Je pourrais avoir le jaune, puis pourquoi pas le blanc, mais ça dépend le temps en fait. Mais bon, voilà, j'ai eu bleu, bon, c'est tout. Ensuite, on a ce niveau-là. Je crois qu'il m'a pas posé trop de problèmes, pas plus que ça. À partir du moment où la première partie est faite, la deuxième est plus simple. Voilà. Je pense que je pourrais avoir le blanc en tryhardant un petit peu plus, mais bon, jaune, c'est pas plus mal. On a ce niveau-là qui était un petit peu technique au début, je crois. Et puis, une fois qu'on a passé un certain moment, bah, ça allait plutôt bien, mais bon. Quand on finit le niveau, on a blanc. Bon, voilà quoi. Et enfin, on arrive au niveau les plus difficiles. Parce que non seulement ils sont lents, mais en plus ils sont vraiment difficiles pour le speedrun. Hein. Le niveau de difficulté n'est pas du tout équivalent au premier niveau, hein, clairement. Là, ici, j'ai eu bleu. Bah, dégoûté quand on voit le temps que j'ai fait une 21, alors que le score c'est une 20 qui est nécessaire pour le jaune. Bon, bah, c'est tout. Hein. Mais voilà, ce serait un truc à refaire parce que surtout que j'ai fait quelques erreurs. Alors, on a là, ici, c'est un niveau qui est très long de base. Et je suis à 4 secondes de la relique blanche. Très honnêtement, c'est faisable. Sauf que. Ouais, c'est surtout vers la fin qu'il va falloir essayer de les piquer, ces 4 secondes. Mais bon, voilà quoi. J'ai quand même recommencé pas mal de fois ce niveau. Celui-là, il m'a pris pas mal de temps. Celui-là aussi, il a été bien chiant à faire. J'ai eu blanc et clairement... j'ai eu bleu plutôt. Et clairement, pour avoir jaune, c'est faisable. Mais enfin, je sais pas. Il y a un moment dans le niveau où il faut une certaine chance... pour pouvoir gagner énormément de temps, et c'est ça qui fait toute la différence en fait, tout simplement. C'est ce fameux niveau qui fait que je suis de super bonne humeur en ce moment même, parce que encore la semaine dernière, le tournage complet de tous les premiers niveaux m'a pris à peu près 1h30 à ce seul putain de niveau. Ça m'a pris plus d'1h30, voire même pas loin de 2h, pour ce seul niveau, parce qu'il était buggé sur la fin. J'en pouvais plus. Mais bon, voilà, j'ai réussi à le terminer, et j'ai eu blanc. Alors du coup, grande satisfaction, parce que là, franchement, surtout qu'il était vraiment très technique, surtout au départ, donc voilà quoi.
Et enfin, le dernier niveau qui m'a pris moins de temps quand même que le précédent. Technique au début, parce que la vue est... parce que on va vers... on recule, on n'avance pas, on va vraiment vers la caméra, donc c'est pas pareil, c'est pas évident ce type de vue. Mais voilà, au final, je suis arrivé à 6 secondes, parce qu'arrivé à un certain moment dans le niveau, on retourne vers l'avant, et puis là, c'est beaucoup plus simple. Donc bon, voilà. Et grâce à toutes ces reliques, on a accès à ces niveaux supplémentaires qu'on avait à l'étage du dessus. Et puis, pour ça, on verra ça tranquillement la semaine prochaine. Pour découvrir ces 5 niveaux, je pense qu'on va faire 3 ou 4 niveaux, et puis ensuite l'épisode prochain, encore derrière, on s'occupera des speedruns sur ces 5 derniers niveaux là. Donc au final, il reste plus que 2 épisodes avant la fin de la série. Oui, déjà, il faut bien s'arrêter un moment. Mais bon, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Plus tout le monde.